Invité d'un aparté, ce jeudi 15 février 2023, le comédien Mathieu Kassovitz a évoqué sa séparation avec la mère de ses enfants et ce petit changement qu'il a été obligé d'effectuer dans son quotidien. Une étonnante remise en question. Ce mercredi 15 février 2023, Mathieu Kassovitz était l'invité de l'émission En aparté, sur Canal+, à l'occasion de la sortie du film L'Astronaute, en salle depuis mercredi. Le comédien de 55 ans, qui évoquait sa carrière au cinéma, a également accepté de répondre à quelques questions plus personnelles. Le papa de Carmen, la fille qu'il a eue avec l'actrice Julie Modouech, et de Max et Ava, née de son union avec le mannequin Aurore Lagache, révèle notamment ce petit détail qui a changé dans sa vie depuis qu'il s'est séparé de la mère de ses enfants. Je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. Mathieu Kassovitz affirme effectivement fièrement, moi je cuisine pour mes enfants, quasiment tous les jours, détaillant la liste de ses spécialités. J'aime beaucoup nourrir mes enfants en paix. C'est essentiel pour moi, confie-t-il avant de dévoiler le moment où il a commencé à s'intéresser au fourneau. Quand je me suis séparé de leur mère, j'ai eu ensuite une amie qui était très forte en cuisine et je me suis complètement relaxé sur elle. Et quand je me suis séparé d'elle, j'ai commencé à faire de la livraison sur internet. Quand ils ont commencé à m'envoyer leurs propositions de cartes de fidélité, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à la cuisine, car je ne peux pas nourrir mes enfants par correspondance, comme ça, a-t-il expliqué. Mathieu Kassovitz très cash avec sa fille Carmen, l'acteur et réalisateur a également évoqué le discours très direct qu'il avait tenu à son aîné, il y a quelques années, moi, ma fille, à 18 ans, je lui ai dit, écoute. Si est-ce simple, ça fait 18 ans que je galère et que je travaille pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Si j'ai fait un bon boulot, tu n'as plus besoin de moi. Maintenant, je ne suis plus ton père, je suis ton pote. Si tu as besoin de moi pour des problèmes ou quoi que ce soit, je suis là. Mais je n'ai plus rien à te dire. Je crois que je t'ai amené une assez bonne éducation jusqu'à aujourd'hui pour te faire confiance et que tu ne feras pas les conneries que tu pourrais faire si je n'avais pas été présent ou si je ne t'avais pas guidé, a-t-il rapporté. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. À lire aussi Je ne suis plus ton père, je suis ton pote, Mathieu Kassovitz fait des confidences sur sa fille Carmen et son éducation.